I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo va faire suite au partenariat que j'ai depuis un moment avec Craspir. Donc là, ils m'ont demandé de faire une autre vidéo, chose que je vais faire avec vous. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer l'utilisation habituelle des cachets de cire, c'est-à-dire faire fondre la cire. Bien entendu, ça, vous allez le voir, et utiliser les seaux. Mais je vais faire avec vous une petite déco. Alors, ça, peut-être plusieurs décos d'ailleurs. Que je vais mettre déjà sur ce petit bougeoir. Donc pour le bougeoir, je vais utiliser entre autres un petit ruban en toile de jute. Donc je vais vous montrer comment je décore avec les cachets de cire. Donc ça, je mets de côté. Je vais déjà allumer la petite bougie. J'aurais peut-être dû le faire avant. Rapide comme ça pour faire fondre la cire. Donc je vous ai dit le bougeoir. Je vais vous montrer aussi comment j'utilise, alors là, pour fermer les albums. Celui là vous l'avez vu en vidéo il n'y a pas très longtemps, donc moi je vais vous montrer comment je fais une attache que l'on peut enlever et rajouter tout en ayant l'effet donc fermeture au cachet de cire. Donc, je ne sais pas si c'est bien clair, mais voilà, je vais vous montrer ça. Et puis, on verra si la vidéo n'est pas trop longue. Je vous montrerai donc comment j'utilise aussi pour faire des petites décos de cartes. Alors, on va déjà commencer par faire fondre la cire. Je vais être un peu taisé. Je mettrai peut-être la partie de la cire qui chauffe en accéléré. Je pense que ça sera un peu moins long. Là, je prépare pour le prochain. Voilà, je vais découper mon morceau de ruban. Donc, je prends la dimension à peu près, hein. Voilà, dis-moi, le plus exact possible. Il faut que ça tienne. Donc là, je vais découper. Voilà, alors je vérifie. Voilà, ça sera caché comme ceci. Donc je mettrai du double face. Je vais déjà même préparer mon double face sur le bougeoir. Voilà, je voulais aussi vous montrer un petit quelque chose là, en entendant que ça fonde. Je récupère, alors je vais vous montrer hein, tous les petits morceaux de cire, parce que ça peut être utile donc pour mélanger des couleurs. Donc voilà, je récupère vraiment tous les petits morceaux. Donc comme ça, je peux faire des petits mélanges de couleurs. Ouais, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé de faire ça en commentaire dans une de mes vidéos. Donc je l'ai bien écouté et c'est vrai que c'est assez utile. Ça évite le gaspillage déjà. Et puis voilà, c'est quelque chose que je trouve, c'est une idée assez sympa. Donc là, je pense que ma cire va être bonne. Donc, voilà.
j'essaie de pas faire de bêtises. Donc on a largement le temps de faire couler la cire. Voilà, donc là, je vais faire chauffer encore un peu. Alors là, j'ai choisi un seau en forme de cœur. Je me dépêche avant que ce soit froid et je le pose délicatement. Voilà, j'ai un peu la tremblote aujourd'hui, mais... C'est pas très grave, le résultat sera tout aussi joli. Donc là, je récupère la cire chaude. Je fais ça en plusieurs fois. Et je garde mes petits morceaux une fois qu'ils sont tous refroidis. Donc bien sûr, hein, c'est pas non plus nickel, mais ça permet de récupérer un petit peu de cire. Donc là, je refais four. Laisse refroidir. Là, je vais préparer ma petite déco. Donc, là, je vais le côté ici pour nettoyer. Alors, j'ai quelques petites feuilles que l'on trouvait chez Action il n'y a pas très longtemps. Donc, et mettre dessus quelques petites branches, bien qu'elles ont l'air un peu grandes par rapport à mon bougeoir. Je mettrai ça en fonction de voilà une petite branche. Donc là, je vais mettre comme ceci, ça va couler normalement, et je passe au bleu pour faire l'autre saut. Donc quelques petites branches. Alors, je fais toute ma préparation avant. Voilà, parce que je ne sais pas trop comment je vais décorer. Je regarde si ça refroidit. Voilà, voilà, c'est parfait. Donc maintenant que j'ai préparé toute ma préparation, toutes mes petites décos, je vais donc coller mon seau, mon cachet, je veux dire, sur ma petite déco. Donc là, je mets les petites feuilles comme ceci. Alors, je vais mettre de la colle cette fois. Mes petites branches. Voilà. Et là, j'aurais pu le faire directement sur le ruban, mais en fait, je voulais garder le ruban avec le seau. Ça, comme ça j'ai juste à changer le bougeoir et ça permet de changer aussi de déco, du moins si j'en veux une autre. Et j'ai plus qu'à refaire une autre déco avec la cire. Et voilà, là je laisse sécher. Alors, je vais laisser sécher tranquillement. Je vais regarder la cire bleue. Donc là, j'ai choisi un flocon avec le bleu. En fait, ça me permet de préparer mes petites décos et de les ajouter aux petits projets que j'ai ou que je fais. Et, comme ça, j'ai toujours une petite déco d'avance.
pense que ça va être bon. Chauffer encore un peu. Alors mon flocon est là, donc là je le pose délicatement. Là ça a bien séché. C'est bien séché encore un peu. Là je récupère. Je ferai fondre et puis je vais nettoyer avec un du moins avec du papier essuie-tout. Voilà, donc là on va laisser refroidir tranquillement. Donc voilà tout ce qui est à côté en fait, je peux récupérer. Donc le bleu j'avais décidé. Voilà, je voulais juste vous montrer comment je peux décorer en plus de la déco habituelle. Bon, là, c'est un flocon, rien à voir avec l'album, mais c'est pour vous montrer comment on peut faire une fermeture sur un album. Donc là, je prépare ma ficelle, je prends la dimension par rapport donc, à mon album, hein, comme si j'allais le fermer. Voilà, je fais plusieurs tours. Là, je fais un petit nœud. Donc, je prépare tout à l'avance, comme ça, le temps que ça refroidisse. Donc là, ça va être bon. Je refais chauffer ça. Donc là, je disais, je fais un petit nœud. Finalement, cette ficelle que j'aime pas trop, je suis en train de la passer dans mes petites décos. Bon, c'est pas toujours terrible hein, au niveau des nœuds, mais voilà, c'est mieux que rien. Donc là, je découpe la ficelle. Je vais prendre d'autres ciseaux, cela ne coupe pas. Je vais arrêter ma petite bougie. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Hop. Donc là, j'ai pas serré, alors ça fait que je peux enlever. Pardon. Donc je pourrais ouvrir mon album sans tout arracher, sans défaire le nœud, je veux dire. Voilà, donc là, ça permet de faire la tâche pour le mini album sans que le seau soit collé à l'album, ce qui permet d'enlever la déco et de la remettre par la suite. Donc là je regarde, voilà, ça je l'ai fait tout seul, très bien. Donc maintenant je vais pouvoir placer donc mon petit cachet, mon petit seau. Je vais même pouvoir mettre de la déco. Bon, je vous l'ai dit, c'est pas en rapport avec l'album, mais c'est juste pour vous montrer une façon de décorer l'album. Hein. Là, je vais positionner mes petites branches comme ça. Je vais préparer toute ma petite déco. Je vais coller et je collerai à la fin sur l'album. Alors,
le seau sur la fleur avec une petite branche comme ça. Notre branche, et puis peut-être deux, ça suffira. Et là, je viens coller donc le seau comme ça. Alors, je regarde si mon nœud tient bien. Donc là, j'enlève la fermeture. Je pourrais la laisser, mais c'est pour vous montrer que, en fait, ça sera utile pour fermer. Voilà. Donc là, je mets la ficelle comme elle sera positionnée sur l'album. Je vais prendre une autre petite fleur et je vais mettre. Je vais superposer comme ça la ficelle. Sera prise entre les deux fleurs. Donc je mets une fleur comme ça. Je mets. Après vous pouvez prendre un cercle, pas obligé que ce soit une fleur. Moi je voulais une petite fleur, ça fait plus joli je trouve. Et voilà. Donc là je la colle comme ça. Donc je vais rajouter de la colle ici aussi. Alors là, hop, j'essaye de pas trop emprisonner. Voilà, la ficelle dans les branches. Donc ce qui fait qu'on a, voilà, la ficelle dans les branches. Donc ce qui fait qu'on a, voilà, notre petite déco pour fermer notre album. Donc là, je vais essayer d'attendre que ce soit sec. Pouvoir le glisser sur l'album pour vous montrer après à vous d'adapter la longueur de la ficelle. Donc là on va enlever l'opercule du double face. Et je vais pouvoir mettre donc la petite déco. Pas terrible, on va laisser sécher. Donc je rajoute de la colle parce que ça n'a pas eu le temps de sécher, je suis un peu trop pressée. On va laisser sécher tranquillement. Je rajuste un peu mon petit ruban de poil de jute. J'aimerais qu'il soit bien mis. Voilà. Là, je peux remettre ma petite déco. Comme ceci, voilà, cette fois c'est parfait. Donc voilà pour le petit bougeoir. Il me reste plus que la bougie à mettre. Je vais y arriver. Je vous le mets comme ça pour que vous puissiez bien le voir. Et donc là, on va pouvoir mettre la petite déco sur l'album. Donc voilà, si jamais vous avez un album qui vous n'avez pas d'idée pour fermer l'album. Là, ça ira très bien. Alors, j'ose pas trop manipuler parce que c'est pas sec, pas tout à fait sec. Donc, alors, je vais peut-être pas vous le montrer, mais bon, vous avez. Ah, voilà pourquoi ça
c'était pris sous mon papier. Voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Hein. Voilà. Avec le petit nœud. Bon, comme je vous ai dit, ça va pas super bien sur mon album. Mais voilà, l'idée est là. Je vais vous montrer. Donc, ça fait une fermeture d'album. Et donc là, je vais l'enlever. Et donc, si on fait une carte, ça peut aussi servir pour mettre une petite déco sur une carte, la mettre à la fin, pas obligé que ce soit soudé à la carte. Donc, comme ça, on pourra enlever et conserver le cachet avec toute la déco qui va avec. Et on peut aussi donc utiliser pour fermer un petit album. Donc à vous d'ajuster la longueur de la ficelle, de faire le petit nœud et d'emprisonner la ficelle entre, on va dire, deux petits cercles ou deux petites décos et coller le cachet de cire sur la ficelle. Voilà. Et donc en guise de petite déco aussi sur un bougeoir ou un pot en verre, une plante. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Je ne les ai pas toutes en tête. Mais il y a moyen de faire beaucoup de petites choses, de petites décos, autres que sur des cartes ou sur des enveloppes. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère qu'il sera assez clair. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !